Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Aujourd'hui, on va présenter donc une manière de saisir des objets sans les toucher. Oui, sans les toucher. C'est l'idée qui est venue d'un chercheur suisse qui travaille dans la robotique pour répondre à l'un des plus grands défis de ce secteur, saisir un objet sans l'abîmer et sans le faire tomber. On a déjà aujourd'hui découvert des technologies qui essayent de reproduire l'agilité humaine. Elles sont assez prometteuses, mais elles sont complexes, coûteuses et longues à mettre en œuvre. Alors cette solution, elle pourrait libérer finalement la robotique de cette problématique et adresser de nouveaux usages, par exemple dans le secteur de l'horlogerie. Et alors comment on fait donc pour saisir sans toucher l'objet ? Alors grâce à la lévitation. Alors il ne s'agit pas de magie, je vous rassure. En fait, le secret ici, ce sont les ultrasons. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez deux demi-sphères qui composent la main du robot, de ce bras robotique. Et puis à l'intérieur de ces demi-sphères, il y a des haut-parleurs à ultrasons. Les ultrasons, ce sont des vibrations sonores de fréquences très très élevées qui sont absolument inaudibles pour l'oreille humaine. Ils sont contrôlés ici par ordinateur. Ce qui veut dire qu'en fait, ce sont des algorithmes qui vont définir l'intensité et la direction, l'orientation de ces ultrasons pour pouvoir capturer l'objet entre ces deux pressions. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que comme ces deux pressions sont contradictoires avec la sphère du haut et la sphère du bas, elles vont englober cet objet, le capturer au milieu des pressions acoustiques qui vont s'exercer et donc l'objet sera sans contact maintenu dans une même position. Vous avez déjà été témoin de ces phénomènes certainement pour comprendre comment ça marche. Si vous avez une enceinte et que vous mettez du sable dessus, vous voyez ce sable bouger. Ce sont les mêmes formes, les mêmes forces ici qui sont en œuvre. Alors on n'a pas de détails sur le moment précis où il va être saisi l'objet. A priori, pour l'instant, on comprend que l'homme doit le placer entre les deux sphères et puis ensuite les algorithmes et les ultrasons font le travail. Juste très vite, c'est réservé à des tout petits objets ? Tout petits objets, pas plus de 10 mm, pas plus de quelques grammes, mais ça peut marcher pour le secteur de l'horlogerie, on le disait, avec des tout petits objets qu'il faut pas être, qui sont très fragiles, qu'on ne doit pas abîmer, ça pourrait être un secteur très prometteur. Merci beaucoup Cécilia pour ces séquences innovation dans Smarttech au quotidien. C'était donc votre émission dédiée au monde du numérique et au monde de l'innovation. On se retrouve dès demain, le jeudi, c'est le grand débrief de l'actu tech dans Smarttech.